Yo tout le monde, la vidéo aujourd'hui les amis, vidéo en PVP avec Estarosa Fest les amis. Parce que normalement, demain on est censé avoir le patch d'Halloween. Donc le nouveau Estarosa, on espère, s'il vous plaît les gars. Imaginez, on s'est fait troll, c'est pas Estarosa, c'est un disaster. Oh les gars, je pète l'écran en deux, je limite le gigasum. Parce que, en vrai Estarosa le problème c'est qu'il marche pas trop bien avec la team. Et tu vois que c'est un personnage qui est pas adapté. Mais honnêtement les gars, le nouveau personnage Halloween, on va péter notre écran. Donc soit il sera rouge ou dark. Bon, je pense qu'il sera rouge. Dark en vrai les gars c'est possible, mais ça serait une première pour un personnage milieu de moi. Bon, écoutez les amis, je sais pas, on verra, mais ouais écoutez, j'ai hâte de voir le patch note demain. Le patch note d'Halloween, let's go. On espère un gros truc. En tout cas, le personnage, après le contenu, bien évidemment, on espère aussi un peu de nouveauté, tu vois, par rapport à Halloween. Bon, faut pas non plus attendre à la mise à jour du siècle, hein, soyons honnêtes par rapport à ça. Mais il y a moyen de faire des bons petits trucs. Donc, Estarosa, on va dire, le gros problème actuellement dans la méta, en tout cas avec ce Estarosa, c'est que déjà, t'as pas non plus énormément de CP. Et puis même, ça prend 18 ans de ta vie à poser tout ce qui est, tu sais, les malus, là. Pas les malus, mais vous avez compris, les... Ah, comment ça s'appelle? Les darkness, voilà. Mais en vrai de vrai, c'est quand même fort, hein, les gars. Zéro van, les gars, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, tu vois, typiquement, défaut de ce Estarosa, bah, il faut avoir des AOE, quoi. Hein. Il faut bien cook les AOE, quoi. Ouh. Allez, cook. Oh là là, Estarosa, hop, on enlève une jauge. Yeah. Pardon. On a l'avantage type sur des murs, donc en gros, on va tanker. On a droppé une AOE des murs, c'est pas mal. Gelda va prendre, enfin ça sera aléatoire hein. Là ça va aller sur des mioches de base. Du coup c'est RNG les coups de notre ami Milo, en tout cas s'il met une mono cible. Là oui forcément c'est sur tout le monde. Ah c'est que c'est team elle tombe trop. Ah ouais. En plus les gars imaginez Estarosa il est dark. Ça augmente de 10% les dégâts de la team. Parce que l'attribut dark c'est ce que ça fait en tout cas dans le jeu. Donc en vrai de vrai, est-ce qu'on peut cook avec ce skill? En vrai de vrai, est-ce que les gars on joue safe? Alors je fais ça, ça, et après ça va taper au pif vu que je peux pas viser des mioches de toute façon. Ça, je sais pas si je tue. Ah, ok. Bon. Allez. Des mioches c'est trop fort, hein. C'est beaucoup trop débile, hein. Wow. Ah, ce personnage est trop fort, hein. Vraiment, hein. Ah ouais. Wow, c'est trop, hein. Oh là, le nouveau Estarosa demain il va faire peur, hein. Parce que déjà en fait le truc qui est intéressant avec ce... Avec Estarosa en vrai mine de rien sa relique elle est pas mal. Ça peut aider dans certaines situations on va dire. Bon actuellement dans les méta elle est un peu cringe mais dans certaines situations ça peut aider. Mais là en fait j'ai l'impression qu'il faut compléter cette relique. C'est à dire que normalement demain les gars si c'est Estarosa on aura un passif archi complet. Parce que c'est vrai que le passif de ce Estarosa il est très simple, hein. Quand un allié démon ou avec un commandement tape un ennemi, alors ça pose un malus darkness. Arrivé à 4, il y aura l'emprise et j'ai jeune. Ou en gros, le passif, je le redis, il est basique par rapport à ça. Donc, c'est vrai que demain, il y a des petits trucs à cook. Franchement, les gars, Netmarble, ils peuvent cook. Hein. Ah, je vous dis, Netmarble, ils peuvent cook. Bon, notre but ici, c'est pas de tuer notre ami Escanor. Bon, par contre, c'est vrai que Estarosa. Oula. Ah. Ok. Bon, Jaina, elle arrive sur le terrain. Let's go. Bon, Escanor, par contre, les gars, il va cook. Hein. Escanor, il va cook mon Estarosa. Ça va être marrant, ça aussi. Hein. Ça va être marrant. En plus, il y a une level 2. Je sais pas si dans quel son. Bon, ça enlève les buffs. Merci, Jaina. Bon, fight un bot. Hein. On fight un bot, les amis. Donc, ouais, c'était la monocycle qui a fusionné. Est-ce que je vole? Normalement, oui. Oula. Ah, c'est que les gars, par contre, Escanor, quand il est boosté. Allez, hein, comme on dit. Allez, hein. N'importe quoi, vraiment. Bon, au final, avec Gelda, logique. Hop, toi, Jaina, tu vas sauter. On n'est pas full stacké, d'ailleurs. Ouah, c'est grave, hein. Oh, c'est vraiment déséquilibré, hein. Oh, Jaina... Gelda, ouais, allez. Non. C'est pas normal, les enfants. Il se passe des petites dingueries, quand même, hein. Ouah, c'est trop, frère.
c'est trop. Hein. C'est trop le jeu, en fait. Mais tu vois, Estarosa, en fait, dans la team, je le disais au début de la vidéo, il galère à s'implémenter dans la team. Genre, tu sens que son gameplay, il est pas adapté à cette team, tout simplement. Donc, si on se tape le Estarosa, forcément, il sera adapté à la team Gilda Demiurge. C'est logique, j'ai envie de dire. Tu vois, en fait, le côté Darkness, je trouve maintenant, c'est. Bon, on s'en fout, quoi. Autant voir un tout nouveau gameplay, quoi. C'est ce que je veux dire. Là, honnêtement, les gars, on dort, hein, carrément. Ah, c'est peut-être un bot, hein, les gars. Un bot, un vrai joueur, pardon. Bon, c'est un vrai joueur avec le temps. Le timing, là, ça prend 10 ans. Donc, item of value, peut-être 225 000. Yep. Relou. Relou, relou, du coup, les amis. Relou, relou. Bon, le truc qui est cool, c'est qu'on se régène quand même avec la team. On pose des stats de base. Ça met bien, comme on dit. Ça met très, très bien. Ok, on a une AOE qui vient de drop. Donc là, il va me poser l'infection, il va me faire son combo de mort. Alors ça, par contre, les gars, c'est que c'est un peu relou. Ça veut dire qu'on va pas trop se régène sur les personnages. Ouais, Estarosa, mais par contre, les gars, il va voler son Namek, hein, je vous le dis. Estarosa, les gars, il est limite mourant dans la game. Sans doute Pixel, les amis. Possible, possible qu'il... Ok, non, ça va. Bon, la team, elle tank vraiment bien, par contre. Hein. What the fuck, bro. Est-ce que vous pensez qu'il meurt, lui, là? En fait, le problème, c'est que je peux pas réellement me stacker, tu vois, avec la team. Genre, c'est relou de ouf, en fait. Ce qui est chiant, c'est l'infection sur la team. Les gars, l'infection, c'est trop cheaté. Ok, on a tué Naïs. Ah, mais attends, mais je pouvais viser des murs, en fait. Bon, pas avec Gildal, du coup. Hop, let's go. Vous pouvez viser des murs, les gars, je l'ai pas vu. Attends, il n'y a pas sur Estarosa et qui? Ah, juste Estarosa, pardon, du coup. Ok. Estarosa qui a plus de stats. Mais non. En vrai, mon démurge est mort, hein. Les gars, là, on n'est pas bien. Hein. Je pense qu'on a lose, hein, parce que, encore une fois, je le redis, le gameplay, il est cringe. Hein. Le gameplay, il est vraiment bizarre. Hein. Le gameplay, il est cringe un peu. Ok, mono-cible. C'est quoi, c'est AOE ou mono-cible? Ok, mono-cible. On a encore des murges, du coup, on vit. C'est parfait, j'ai envie de dire. On a des murges, on vit. Et ça, les amis, c'est très intéressant. On a que des AOE. Alors, là, je vais faire un play, les amis. Je vais full AOE. Comme ça, au moins, on est vraiment sûr. En plus, je peux reprendre l'aspect de notre ami. Gilda, en fait, je fais full AOE, pardon, avec notre ami Demiurge pour le régène dans tous les cas, tu vois. Comme ça, on le régène tranquillamente. Hop. Ça dégage. Voilà. Comme ça, on est bien, comme on dit. On est bien. En vrai, on a lucké parce que le mec avait pas beaucoup d'AOE avec sa team. Mais honnêtement, les gars, tu vois, je le redis, hein, mais Estarosa, il est cringe. Hein. Estarosa, il est cringe actuellement. Le Estarosa bleu, les gars, il est merguez tier, hein, vraiment. Hein. Je vous déconseille de le jouer, hein. Le perso est vraiment inutile. Hein. Bon, Gilda, elle saute, on s'en fout. Enfin, Gilda, Camilla, pardon. Oh. Failli tanker quand même, hein. Bon, là. Je veux dire, le mec, il pourra jamais win, quoi, je veux dire. C'est GG, quoi. Bon. Ok. Ok, ok, les amis. Donc, ouais. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. Activez la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. On se retrouve demain pour le patch note. Des bisous.